Ça va? Bien dormi? Pas trop. T'es couché à quelle heure? 3 heures, je crois. Ouais, fallait pas rester autant sur l'ordi. Hein. À ma place, tu dors en cours. Oui, bah, à ma place, tu ferais pareil. Ouais, mais si tu continues comme ça, t'auras pas ton bac. Et tu pourras dire adieu à ton école de journalisme. Bon, et toi, t'as bien dormi? J'ai entendu du bruit vers minuit 1h. Ouais, c'est possible. Ouais. J'arrivais pas à dormir. Tu penses encore à maman? T'as vu l'heure? Oh merde, faut que j'y aille. Bon, à ce soir. Essaye de finir ton projet. Oui, et toi, essaye d'écouter le cours. Ah, ah, ah. Eh, bon bisous. Papa, je vais être en retard là. Bon bisous. Bonne journée. Et rentre pas trop tard. Ah, en fait, je passe l'après-midi chez David. Ah bon? Oui, allô? Monsieur Julliard? Oui, lui-même. Ici la police de Montreuil. Y a un problème, monsieur? Je vous appelle au sujet de votre fille Émilie. Elle s'est fait renverser par une voiture. Elle est avec son ami, un certain David. Quoi? Les ambulanciers ont fait tout leur possible pour la réanimer. Enfin. C'est pas possible. Monsieur Julliard, vous êtes convoqué à la mort pour reconnaître le corps de votre fille. Bien, monsieur. Ok, j'appelle sa mère. Bonjour, ça va? T'es sûr que ça va? Ah ouais, ça va. T'as pas bien dormi? Je sais pas. Bah moi pas beaucoup. Je me suis couchée vers 3h, je crois. Couche-toi plus tôt. Si tu verrais les cours de maths qu'on a, tu dormirais en cours. Oh mais t'es sûr que ça va? Tu me fais peur là. Je pense encore à maman. Bon, allez, faut que j'y aille. Bon, à ce soir. Essaye de finir ton projet. Ah, au fait, je passe l'après-midi chez David. Oui, allô? Monsieur Julliard? Oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce bordel? Calme-toi.
toi, je sais pas de quoi tu parles. Je comprends pas. Fait deux fois, je fais le même cauchemar. Pourquoi? Je sais pas. T'as fait un mauvais rêve ou quoi? Excuse-moi. C'est l'heure. Faut. Lève-toi. C'est bon, relax. Non, c'était quoi ton cauchemar? Non, mais tu pourrais pas comprendre. Oh, putain, faut que j'y aille. Bon, à ce soir. Quoi encore? Non, je t'emmène au lycée et c'est moi qui viendrai te chercher ce soir. Mais je dois aller chez David après les... Non, tu feras tes devoirs. Mais papa, s'il te plaît. C'est encore moi qui décide, Émilie, ok? T'es sous mon toit, donc c'est moi qui décide. Oui, il est tout prêt, hein. Tout prêt, hein. Patrick. Allô, oui. Monsieur Julliard, ici la police de Montreuil. Pardon. Je vous appelle au sujet de votre fille Émilie. Non, mais Émilie dans sa chambre. Elle s'est fait renverser par une... Là, tu feras pareil. Mais si tu continues comme ça, tu vas louper ton bac. Et après, tu pourras dire adieu à ton école de journalisme. Bon, et toi, t'as bien dormi? J'ai entendu du bruit vers minuit 1h. Oh, j'ai bien dormi. Tu penses encore à maman? T'as vu l'heure? Oh merde, faut que j'y aille. Bon, à ce soir. Essaye de finir ton projet. Oui, et toi, t'essayes d'écouter le cours. Ah. Hé, mon bisou. Papa, je vais t'en retard, là. Mon bisou. Ah, en fait, je passe l'après-midi chez David. Pourquoi tu dis pas de venir ici? Bah, ça te dérange pas? Bah non, c'est bien, c'est mieux. Bon, tac, merci. Bonne journée. Et David qui va arriver. Il est sur la route. Ok. T'as passé une bonne journée? Bon, pff, comme d'hab, les maths c'est chiant. Avec mes œufs? Non, j'ai acheté les œufs, j'ai aussi acheté le bacon. Allô, belle maman? Allô, Émilie? C'est David.